Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment s'utilise le compte de l'exploitant dans les entreprises individuelles et les comptes courants dans les sociétés. Commençons par expliquer l'utilisation du compte de l'exploitant dans les entreprises individuelles. L'exploitant individuel ne peut pas se verser de salaire au sens juridique du terme. Les appointements qu'il s'alloue en contrepartie de son travail ne sont pas déductibles du résultat imposable, ce ne sont pas des charges. Ils sont enregistrés au débit de son compte d'exploitant. Le compte de l'exploitant est donc un compte ouvert dans une entreprise individuelle afin d'y porter les opérations que l'exploitant réalise avec son entreprise. Illustrons-le avec l'exemple suivant. Le 11 février, M. Perlin dépose 2 500 euros en banque. Cette somme est portée dans le compte de l'exploitant. Le 9 novembre N, il prélève 900 euros sur ce compte pour ses besoins personnels. Le 11 février, lors du dépôt des 2 500 euros en banque, la comptabilité de l'entreprise va constater un flux monétaire d'entrée comptant en débitant le compte 512 banque. Au crédit, l'entreprise personne morale aura une dette sur son propriétaire personne physique. Il s'agit donc d'un flux monétaire de sortie différée long terme qui va s'enregistrer dans un compte de classe 1, en l'occurrence le compte 108, compte de l'exploitant. Le 9 novembre, lorsque l'exploitant prélève 900 euros sur ce compte pour ses besoins personnels, la dette de l'entreprise sur son propriétaire diminue quand ce dernier prélève une partie des fonds qu'il avait apportés précédemment. Par conséquent, nous allons réutiliser au débit le compte 108, compte de l'exploitant. Au crédit, eh bien, nous aurons le compte 512 banque qui constatera le flux monétaire de sortie comptant pour l'entreprise. Nous retiendrons donc que le compte 108 compte de l'exploitant n'est utilisé que dans les entreprises individuelles. Voyons maintenant l'utilisation des comptes courants dans les sociétés. Les comptes courants sont des comptes ouvert dans une société aux associés afin d'y porter les opérations que ces derniers réalisent avec la société. Les fonds déposés sont laissés temporairement à la disposition de l'entreprise par les associés. Ces comptes produisent généralement des intérêts. Dans les sociétés anonymes, sociétés en commandite par action et les SARL, ces comptes ne doivent jamais être débiteurs. Pour les sociétés de personnes, les comptes courants peuvent être débiteurs ou créditeurs. Cette méthode procure un mode de financement simple pour la société. En effet, les dépôts en compte courant ne demandent pas de modification des statuts de la société, contrairement à l'augmentation du capital social, et la société pourra déduire les intérêts versés aux associés de ses bénéfices imposables sous certaines conditions. Les associés, quant à eux, pourront récupérer à tout moment les sommes prêtées à la société et bénéficieront d'un taux d'intérêt supérieur à ceux proposés par d'autres placements. Pour illustrer cette notion, traitons l'exemple suivant. Le 16 janvier, Madame Pimpin, associée de votre entreprise, fait un apport en compte courant de 8 000 euros par chèque bancaire. Le 31 décembre, l'entreprise enregistre les intérêts versés sur ce compte courant, 440 euros. Le 2 janvier N plus 1, la société restitue les fonds à Madame Pimpin. Le 16 janvier, lorsque Madame Pimpin fait son apport en compte courant, l'entreprise va constater un flux monétaire d'entrée comptant en débitant le compte 512 banque. Elle va également constater une dette à court terme sur son associé qui peut retirer ses fonds du compte courant à tout moment. Il s'agit donc d'un compte de classe 4, en l'occurrence
le compte 44, le compte, pardon, 4551, associé, compte courant, principal. Le 31 décembre, l'entreprise enregistre les intérêts versés sur le compte courant, 440 euros. Ces intérêts, comme tous les intérêts que nous enregistrons, vont s'enregistrer dans le compte 661 et plus précisément 661.5 intérêts des comptes courants. Ces intérêts viennent augmenter la dette de l'entreprise sur l'associé au crédit du compte 4558, associé compte courant, intérêt couru. Enfin, le 2 janvier, lorsque la société restitue les fonds à Madame Pimpin, l'entreprise va constater un flux monétaire de sortie dans le compte 512 banque pour le total dû à son associé, à savoir 8000 euros plus 440 euros d'intérêt. Et au débit, nous allons solder les dettes qu'avait l'entreprise sur son associé, à savoir les comptes 44551 et 44558. Nous remarquerons qu'il pourrait ne pas être fait de distinction entre le principal et les intérêts en regroupant toutes les opérations dans un seul et même compte, 455, associé, compte courant. Retenons enfin qu'il ne faut pas confondre les deux comptes suivants, 101 capital qui enregistre les apports des associés destinés à rester durablement dans l'entreprise, et 455 associés compte courant qui enregistre les apports faits par les associés en compte courant.